Donc, je suis Aurélie Trinquel, professeure d'histoire au collège Daniel Ferry de Limeil-Brévannes. Et je suis Maria Scrette-Devert, professeure d'histoire au collège Daniel Ferry de Limeil-Brévannes. Donc c'est Captain Geo sur Twitter pour ceux qui suivent le réseau social. Et Captain Histoire. On travaille ensemble depuis 6 ans. Donc on a d'abord appris à se connaître et on va vous présenter un petit peu le fruit de notre travail en sachant que ça fait 4 années qu'on travaille à deux. Donc c'est quelque chose qui a mûri lentement et qui a bénéficié vraiment de l'effet duo. Donc aujourd'hui on va vous présenter un ou plusieurs exemples de travaux qu'on a pu mener en classe. Et en fait, l'idée, c'est comment est-ce que finalement on peut, en histoire, placer nos élèves en position de chercheurs en classe, les transformer en mini-historiens, entre guillemets. Et pour cela, ça demande aux professeurs vraiment une autre approche, parce qu'il faut sans cesse concevoir des micro-projets qui articulent à la fois l'histoire locale et l'histoire globale. Voilà, c'est le biais qu'on a trouvé pour réussir à faire de la recherche en classe. Donc notre première approche, elle est contrainte forcément par le respect des programmes. On est dans une année particulière où on a chacune 3 niveaux, donc ça nous demande quand même beaucoup de temps, et je pense à toutes, hein, de refaire à chaque fois tous nos cours. Donc on a essayé de garder ça en tête et de tester cette année la méthode naturelle. Ça fait 4-5 ans qu'on travaille avec le numérique. On a beaucoup expérimenté. On a expérimenté la classe inversée, on a expérimenté le tout numérique l'année dernière, plus de cahiers, plus de classeurs et tout ça. On est dans une année où on réfléchit un petit peu plus. On est en train d'analyser tout ce qui s'est passé. On a mis un peu de côté le numérique, quand même, pour différentes raisons. Et parce que aussi, nos projets, finalement, peuvent se faire vraiment avec des archives papier. Donc, on va vous montrer un petit peu... D'où est-ce qu'on est parti? Alors, tout ça, c'est parti du site disciplinaire, donc de Captain Geo. On a voulu avoir un site, un support qui nous permette de diffuser nos cours, d'avoir à tout moment pour les élèves ce qu'on avait fait, les devoirs, les vidéos, les croquis, le travail, etc. Donc, on a un collègue très gentil qui nous a fait un site, qu'on a appris à administrer, à gérer, à mettre des images, enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on ne savait pas du tout faire. Faut dire qu'on travaille dans un collège connecté, un collège préfigurateur du plan numérique. Donc on est équipé en tablette élève depuis 5 ans et on a le Wi-Fi depuis 2 ans. Donc c'est un grand facilitateur, parce que c'est sûr qu'au niveau des moyens, on a des TBI dans nos classes, on a des moyens matériels importants qui ont permis ça aussi. On se doute bien que dans plein d'établissements, ce n'est pas du tout le cas. Et puis après, une fois qu'on a eu ce site, donc c'était en 2014, on s'est essayé à la classe inversée. Donc on a fait 2 ans de travail en classe inversée, avec pas forcément systématiquement toujours, avec des pauses, des moments où ça s'y prêtait plus. Mais l'idée, c'était vraiment que finalement, évacuer une partie du cours magistral de la classe, ça nous laissait du temps en classe pour faire d'autres choses. Et on avait envie aussi de faire d'autres choses en classe avec les élèves, vraiment. Voilà, et tout ça pour dire que oui, c'est des outils qui permettent de gagner du temps, oui, c'est confortable pour l'enseignant, mais comment est-ce qu'on peut quantifier l'apport que ça, enfin ce que ça apporte aux élèves, vraiment, c'est difficile ça. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que vraiment ces méthodes pédagogiques, elles ont des plus-values pour les élèves? Et c'est les questions institutionnelles qui nous reviennent au bout de ces quelques années de travail comme ça aussi. Parce qu'il y a une plus-value pour nous, clairement. Ouais. Pour les élèves, on l'a pas réussi à la quantifier. Alors, on n'a pas forcément les indicateurs. Si on va vers les indicateurs de gestion classe, d'exclusion des élèves, ça, on peut avoir. Mais après, savoir si les élèves apprennent mieux, c'est quelque chose que, pour l'instant, par rapport à la classe inversée, on n'arrive pas à avoir. Ce qui est sûr, c'est que le site disciplinaire, c'est pratique, parce que si l'élève est absent, il peut récupérer la leçon. Parce qu'on peut leur demander de faire un travail, de ne pas rendre de copie, mais de rendre des exercices en ligne. Et ça aussi, d'un point de vue personnel, forcément, le fait d'avoir moins de copies, ça laisse du temps pour préparer les cours. On était vraiment dans la démarche-là, essayer de gagner du temps et de faire plus travailler les élèves en classe. Donc le site disciplinaire, pour ça, il a réussi. Ça peut se faire aussi avec un petit blog. On a eu la chance d'avoir un collègue qui nous faisait un site, mais un blog gratuit, ça aurait pu marcher très bien aussi. Alors du coup, en classe,
On a mis en place toute une série de rituels aussi. Hein. Vraiment, essayer de travailler à ce que les élèves, quand ils changent de professeur au collège, ils retrouvent la même méthode de travail. Ça, c'était important pour nous. Voilà. La même façon de fonctionner, la même façon d'évaluer, la même façon de travailler en classe et hors la classe. Alors, les rituels, c'est déjà les exposer. Alors, les exposés, c'est quelque chose qu'on a commencé l'an dernier, qui marche vraiment très bien, dont on est très contente. Parce que finalement, le fait qu'un élève arrive en classe, il fait un exposé sur le sujet qu'on va travailler en classe pendant 5 minutes. Après, il est évalué à l'oral par ses pairs avec un système d'évaluation bienveillante en ceinture de compétences. Bah, vraiment, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup et il y a vraiment une autre façon de transmettre le savoir quand c'est par les pairs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très positif et qu'on essaie de généraliser. Alors, pas en troisième, parce qu'en troisième, c'est la course. On n'a pas le temps, c'est la course. Mais voilà, en quatrième, ça fonctionne bien. En sixième, bon, bah, là, ils viennent d'arriver, hein, ils sont encore tout frais. Mais ça va se mettre en place pendant le trimestre, je pense. Donc, le principe, c'est qu'on a un élève qui est responsable du cours à une date précise, on lui laisse une semaine pour préparer son exposé, je ne lui donne pas de consignes et ça marche bien, étonnamment. Je ne lui donne pas de fiches ou voilà, je lui dis la semaine prochaine, tu nous fais un exposé sur le serment du jeu de paume, tu as une semaine, il y a quelques ressources au CDI, c'est l'intérêt de travailler avec le documentaliste. L'élève arrive, on s'est inspiré des méthodes du primaire, c'est-à-dire qu'on a été chercher le code du son de Sylvain Connac. Donc, c'est-à-dire que le code du son, il est au tableau. Il est après. Je vais le remettre après. Voilà. Code du son. Donc, c'est l'élève qui gère. Nous, on s'efface complètement. On se met au fond. Il passe en code rouge. La classe se tait. L'élève commence l'exposé. Il a 5 minutes pour expliquer aux autres, avec un vocabulaire simple, précis, ce que c'est que le serment du jeu de paume. Il peut leur montrer des illustrations, que ce soit sous forme numérique ou parce qu'il a une petite clé USB. Ou alors, il y en a toujours qui impriment ou qui dessinent. Qui font des affiches. À la fin, souvent, les élèves... Bon, déjà, on se rend compte qu'en 5 minutes, quand on les laisse faire tout seuls, ils sont très lents. On demande aux autres de commencer à prendre des notes. Et là, moi, je me rends compte que le cours, il va beaucoup, beaucoup moins vite quand c'est eux qui le font. Et ils répètent sans cesse. Et ils répètent 4-5 fois. Et ils sont beaucoup plus patients. Donc déjà, moi, ça m'a permis de voir qu'au niveau du tempo, il fallait qu'on ralentisse. À la fin de ces 5 minutes, souvent, les élèves, ils aiment bien faire des petits questionnaires pour vérifier que tout le monde ait appris. Ils terminent par quelque chose de ludique. Et on commence par l'auto-évaluation. Alors, l'auto-évaluation, au départ, moi, je leur disais, bon, bah, qu'est-ce que tu as pensé de ton exposé ? Systématiquement, c'était, c'est pas bon. Mais c'est quelque chose de systématique, même les très bons élèves qui sont sur deux. Donc Marie-Astrid m'a offert la boîte du son. C'est une petite machine, une boîte avec à bruit. Une boîte à bruit voilà, pour jouer. Il y a des bruits assez effrayants, donc quand vraiment ils pensent que l'exposé a été horrible, c'est un cri de terreur ou de verre qui se brise. Il y a des applaudissements qui ne sortent pas souvent. C'est très rare, hein, l'élève qui se permet d'appuyer sur la touche applaudissement avant de savoir si les autres ont aimé ou pas. Il y a des sons intermédiaires, un peu neutres, où voilà, il sait que ça s'est pas trop mal passé, mais il sait pas. Ensuite, il passe en code blanc. Il devient président avec le bâton de parole. C'est lui qui va donner le bâton de parole dans la salle et les autres, avec la seule règle, c'est la bienveillance, vont lui donner des conseils. Soit parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Alors, tu aurais peut-être pu nous expliquer ça. Soit poser des questions, parce qu'eux, ils connaissent le sujet de l'exposé. Et puis, il y en a qui ont des connaissances ou qui vont préparer 2-3 questions. Et aussi pour dire, bon, ben voilà, le prochain oral, il faudrait que tu fasses attention à parler moins vite. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui prend 10 minutes. Et à la fin de ces 10 minutes, on a établi avec les élèves une petite grille de 4 ceintures. Les ceintures du judo, de la ceinture jaune à la ceinture noire, 4 niveaux de maîtrise. C'est une manière, c'est comme ça qu'on évalue nous les. L'oral en classe. Voilà, l'oral en classe. C'est les élèves qui attribuent la ceinture aux camarades avec le bâton de parole et sous forme de débat parce qu'il faut justifier quelle ceinture on met et on ne met pas une ceinture noire juste parce que c'est un copain, mais parce qu'il y a des éléments précis qui ont fonctionné. Et donc après, nous, ben, on rebondit, on fait un exercice, on prépare la trace écrite. Et là, par contre, on peut quantifier au niveau de l'apprentissage. Quand un élève parle, ses camarades retiennent beaucoup mieux ce qu'il a dit que quand c'est le professeur.
Là, c'est évident. Et comme ça change à chaque fois d'élèves, et ben à chaque fois, ils sont attentifs parce que c'est quelqu'un de nouveau, parce qu'ils savent que c'est important, et parce qu'ils savent que dans 15 jours, ben, c'est à eux. Donc, ils ont tout intérêt à être plutôt attentifs et plutôt sympathiques. Ça fonctionne bien, quel que soit le public, parce qu'on n'a pas forcément un public qui est très facile. Et ça fonctionne bien, oui. Et puis finalement, maintenant que pour certaines classes, ça fait 3 ans qu'ils travaillent comme ça. Bon, alors les exposés, c'est que la 2e année, mais ils ont l'habitude quand même de venir parler au tableau, des choses comme ça. Bah, ils font des plaisanteries. Alors moi, les 4e, la dernière fois, ils m'ont fait un exposé sur je ne sais plus quel philosophe des Lumières qui avait vécu une rupture amoureuse terrible. Et ils mettent des plaisanteries dans les diaporamas, quoi. Donc ça fait aussi une certaine complicité, une ambiance de travail. Enfin, ils sont vraiment fiers, quoi, de montrer qu'eux aussi, ils peuvent transmettre des savoirs comme nous, quoi. Voilà. Donc certains ont appelé ça la classe renversée. Oui. Alors, c'est plus on inverse, mais on renverse, et du coup, c'est plus le professeur qui fait cours, c'est l'élève. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est le travail de groupe. Donc, travailler en groupe, c'est quelque chose qu'on n'installe pas dès le début de l'année, mais qu'on va commencer, je pense, d'ici les vacances de Noël. Aller faire travailler sur des tâches complexes, plus ou moins scénarisées. Moi, je reviens un peu de la scénarisation, parce que des fois, je trouve que c'est un peu... ça me convient pas forcément comme façon de travailler, mais le travail de groupe, ils aiment bien ça, et puis ça implique aussi qu'il y ait de la cohésion, collaboration, coopération dans le groupe, et ils sont assez contents. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple en 3e, où je sais que c'est compliqué, la tenue du programme, elle est difficile vraiment, et donner à la classe dans un temps donné une partie du cours ou un aspect de la question à chaque partie de la classe, ils travaillent dessus, après on met en commun. Voilà, ils ne travaillent pas forcément sur les mêmes choses en même temps, mais il y a toujours un temps de mise en commun qui fait que ils ne s'y perdent pas et ils apprennent, quoi. Et finalement, on voit plus de choses que ce qu'on aurait fait normalement en étudiant qu'un seul aspect, quoi. Quand il faut choisir, voilà. On a mis du temps à lâcher ça parce qu'il a fallu accepter de ne pas faire cours à tout le monde. Ouais. Et c'était Olivier qui nous avait dit, voilà, moi je leur en dis moins, mais ils en savent plus. On l'a pas cru, hein. Olivier, c'est n'importe quoi. Moi, sur le coup, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Il est dans un petit collège, gentil, ça marche bien avec les siens. Et en fait, ça marche. Mais c'est vrai qu'il faut lâcher. Ça aussi, hein. Et ça marche. Enfin, ça fonctionne très, très bien. Pardon. Cette méthode de chacun fait un bout du cours, ça fait maintenant 3 ans que je la fais en lycée comme en collège. Et ça marche tout le temps, en fait. Et je pense que c'est aussi l'apprentissage par les pairs. Enfin, moi, je vous rejoins là-dessus. Oui. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment ça le ressort, l'apprentissage par les autres. Et, et petit à petit, le rôle du professeur qui s'efface et celui qui n'apporte pas toujours que la connaissance. Oui. Je pense que c'est essentiel. Mais c'est aussi pour ça que les aventuriers sont intéressants. C'est que ça permet aussi d'aller encore plus loin dans la logique. Pour un peu moins se fatiguer, moi, le travail de groupe, ce que je trouvais un peu fatigant, c'était... courir tout le temps de table à table, entre les tables qui disent rien, qui disent non mais tout va bien, alors qu'on voit bien que ça avance pas trop, les autres qui demandent de l'aide tout le temps. Marie Astrid sur Twitter, elle a trouvé la méthode des gobelets. Ça c'est super, c'était la découverte de l'année. J'ai vu un prof de musique, je sais plus qui, mais par contre je sais plus qui faisait ça. Donc c'est comme le tétraède, mais le tétraède, moi avec mes troisièmes qui sont des grands baraqués machin, fatalement ils vont les crabouiller en 2 temps 3 mouvements. Donc en fait on fait des piles de gobelets. Donc on a acheté 3 paquets de gobelets, un paquet de gobelets... Alors elle a des bleus, blancs, rouges, moi j'ai des... C'est parce que... vert, violet et rouge, la mais France c'est pas a pas gagné l'euro, moi j'avais un stock de gobelets bleus, blancs, rouges, donc je les ai écoulés. Mais du coup, en fait, on leur met sur la table, une petite pile de 3 gobelets pour 2, et du coup je leur dis, voilà, si vous êtes vert, c'est que tout va bien, pas de problème. Si vous êtes orange, c'est que vous avez besoin d'un peu d'aide, mais ça peut attendre un peu. Vous êtes rouge, ça va très mal. Alors la première fois qu'on l'a fait, ils étaient tous rouges. Donc ça a été un peu une heure compliquée. La deuxième fois, ça s'est redescendu un peu. Maintenant, on est quand même plus au vert. Et c'était étonnant parce que j'avais acheté ça pour les 6e à la base. Et c'est les 3e qui les réclament. C'est des gros bébés, les 3e. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, là, vraiment, on a gagné un truc de fou dans le travail de groupe sans finir l'heure avec la tête comme une pastèque parce qu'il y a trop de bruit en classe. Et que c'est juste insupportable. Oui, et puis la frustration de se dire, où est-ce que je vais ? Quel groupe en priorité ? Ouais, là, on voit l'ordre en priorité. Et c'est toujours chez lui que vous allez, c'est pas juste. Voilà. Moi, j'ai instauré une autre méthode, mais celle des gobelets m'intéresse particulièrement. Je pense que ça va bien fonctionner aussi. En fait, c'est leur faire distribuer des rôles dans le groupe. Et moi, ils ont toujours les mêmes groupes pendant un trimestre. Ils ont le droit de se mettre avec leurs copains, puis après je fais les propres groupes pour l'hétérogénéité. J'essaye de faire avancer ceux qui sont les plus faibles.
Et en fait, il y en a un qui est responsable de la parole du groupe par rapport au professeur et qui donc doit lever la main que si il a pris les questions de tout le monde. Et en fait, en synthétisant, ils sont obligés de se parler des problèmes. Parce que ce qu'ils ont tendance à faire, c'est que même en groupe, dès qu'ils ont un problème, ils lèvent la main au lieu de demander aux copains en face. Et ça, moi, ça m'a permis aussi de contourner le problème. Et j'ai une autre collègue qui utilise carrément, ils ont le droit de se lever un par groupe pour aller demander de l'aide aux professeurs. Oui, ils appellent ça journaliste. C'est des ça, fois, ouais. Et en fait, ça permet aussi de gérer ce côté, on est tout le temps en train de courir de groupe en groupe. Le problème que j'avais avec ça, c'est qu'ils veulent tous être, ils veulent pas être secrétaires, ils veulent tous être journalistes, ils veulent tous être l'espion. Ouais. Et donc, alors il y a des collègues qui utilisent un système un peu comme au Trivial Poursuite de camembert, pour savoir qui a été journaliste une fois qu'il ne le soit pas. Ça, c'est un truc que j'ai essayé, c'était vraiment chronophage. J'ai 6 classes, j'ai pas réussi à tenir, mais c'était, ça marche bien, mais à 6 classes, moi j'ai pas, à 6 classes de 30, là, c'était trop... Un astuce dans une classe peut faire ça. Voilà. Ouais, c'est ça, quand on prend les méthodes classes. Du primaire, de, voilà. Toutes ces méthodes-là, c'est des méthodes de... Bah, il faut juste qu'on... Non, mais on a... Clairement, nous, notre évolution de pédagogique, là, il y a une grande partie qui vient de notre ouverture vers le primaire, quand même. Mmh. Ouais. Voilà. Et du coup, tout ça, ça permet la co-construction du cours. Donc, on essaye de faire que les élèves soient beaucoup plus acteurs dans la construction du cours. Qu'à l'issue de toutes les activités menées, on élabore une leçon commune avec leurs mots pour les aider à mieux s'approprier... les notions vues en classe. Donc là, c'était pour essayer de les faire apprendre plus facilement. C'était une partie de notre travail. La suite de notre travail, le deuxième problème qu'on a essayé de régler ensemble, ça a été de donner du sens. Parce que là, on les mettait en activité, on essaie de varier les propositions pédagogiques. Mais il y a quand même des cours comme en quatrième, quand on travaille sur la mondialisation, on a des cours qui sont très, très difficiles. Quand ils arrivent anciens cinquième, ils sont petits, on entre dans des concepts. En plus, moi je ne suis pas géographe, comme beaucoup de profs d'histoire. J'ai des études d'histoire à la base, donc pour Marie-Astrid, c'est plus simple, il n'y a pas de souci. Pour moi, franchement, leur faire apprendre quelque chose comme ça, c'était difficile. Donc on essaye de partir très souvent de leur quotidien. De leur basket, de leur brique de jus d'orange. On a commencé ça, parce qu'avec le cours sur la mondialisation, c'était assez facile. Et puis on s'est dit, tiens, on va essayer de faire ça en histoire et de découper ça, parsemer ça un petit peu dans tous nos cours. Mais bon, on y revient tout à l'heure pour l'histoire. Non, c'est vraiment partir du quotidien de l'élève et du vécu de l'élève pour lui montrer que l'histoire et la géographie, c'est pas déconnecté de ce qu'il vit tous les jours, en fait. Parce que bien souvent, les rois, tout ça, c'est loin, c'est pas forcément, c'est pas concret, c'est pas ce qu'ils aiment. Donc on a eu une grande phase de pédagogie de projet, mais des gros projets, des trucs lourds, chronophages, difficiles. On a fait des défis Twitter, on a fait des débats philosophiques, des podcasts, des capsules produites par les élèves, tout et n'importe quoi, vraiment. Et puis à la fin, on s'est dit ok, ça on a fait, ça, c'était vraiment mettre des croix, quoi. Bon, ça on a fait, j'ai fait. Puis au bout de tout ça, c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Puis bon, maintenant, on est fatigué, c'était super. On a rencontré plein de gens. Sur les défis Twitter, on partageait des leçons avec 4 classes à travers la France. Ils s'envoyaient des énigmes. C'était très, très bien, mais ça a été difficile de terminer le programme. Et on a clairement terminé l'année sur les rotules aussi. Par contre, on a beaucoup communiqué et c'était très bien. Voilà. Mais si on revient sur les élèves, il a fallu choisir. Donc on a gardé cette histoire de quotidien. On s'est dit que finalement, le plus important, c'était de leur donner du sens à eux. Et donc, de partir d'eux en tant qu'individus, essayer de créer un collectif autour d'eux. Les attentats ont joué là-dessus aussi. Parce qu'il a fallu... je crois que ça a été notre réponse à toutes les deux. Pour, évidemment, on a fait des séances, comme tout le monde, pour expliquer les attentats et tout ça. Et une fois... que le plus difficile, le côté émotionnel, était un peu passé. On s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour que ce petit bout de génération qu'on a devant nous pendant un an, comment est-ce qu'on fait pour leur montrer que on a un destin commun à construire ensemble. C'est mignon parce qu'en fait, on leur a parlé de... Enfin, moi, j'aurais parlé là de Bergson. C'est sur la fenêtre. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. On voulait construire ce nous.
Et donc, on a gardé cette histoire de projet de l'individuel dans le collectif. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça en classe? C'est pas si simple. Alors, on s'est posé plein de questions, on a essayé plein de choses. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on les place dans une posture de chercheur. Où est-ce qu'on peut faire ça près de chez nous facilement avec toutes les consignes de Vigipirate? Eh bien, on s'est dit qu'il y avait des archives et que peut-être on allait pouvoir travailler dessus. Et finalement, la solution, ça a été voilà, un espèce de mix entre histoire globale et histoire locale. Et ça donne des choses assez intéressantes. Donc pour l'instant, on n'a pas de contact avec nos chercheurs s'aventuriers. Ça va arriver. Je pense qu'ils sont peut-être même ici, on va pouvoir les rencontrer. Donc on a décidé de commencer à avancer. Et puis dès qu'on sera en contact avec les chercheurs, ils pourront nous aider. Nos études, elles ne sont pas si loin, mais c'est vrai que la recherche, on n'en fait plus, quoi. On n'a plus forcément les mêmes réflexes. On voulait présenter du coup le projet Centenaire. Le 11 novembre arrive pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a articulé ça. Donc c'est un projet de 4 années. Et on est dans la 3e année. Donc c'est un projet qu'on a commencé en 2014. Et même pas, c'est 5 années. Bah oui. Ouais, c'est même. Il nous en reste encore. C'est pas fini. Ouais. Et en fait, c'était un projet à la base qui est parti de l'histoire des arts. Donc il y avait l'épreuve orale d'histoire des arts du diplôme national du brevet. Et on nous a confié la tâche de préparer les élèves à cette épreuve. Bon. C'est d'abord parti d'une vraie demande de notre chef d'établissement. Ouais. Qui arrive un jour en salle des profs en nous disant « faites un truc pour le 11 novembre ». Oui, c'est vrai. Et on lui a dit non, on n'est pas... Non, nous, le 11 novembre, ça nous concerne pas. C'est un peu difficile, des fois, les profs d'histoire géo, on essaie de nous transformer en... Profs de commémoration. Voilà. Et c'est difficile, on a des mails des inspecteurs tous les 3 mois, journée du truc, journée Comment du ça, machin. Comment ça, vous ne faites pas le concours national de la résistance? Ouais, voilà. C'était hier. c'était le mail d'hier soir, ça. La journée de l'esclavage, la journée de la cité, voilà, la journée de des génocides. En fait, on ferait des journées tous les jours, voilà. si on écoutait tout ce qui arrive dans nos boîtes mails. C'est ça, oui. C'est exactement ça. Donc alors 11 novembre, on a réfléchi un petit peu quand même. Et puis, on a voulu embarquer tout l'établissement avec nous, tant qu'à faire, pour essayer de motiver tout le monde. Et avec l'histoire des arts. Donc on a beaucoup réfléchi sur ça. En fait, il y a eu une espèce de connexion qui s'est faite entre Centenaire et Histoire des Arts. On ne sait pas trop pourquoi. Mais on s'est dit qu'on allait monter un projet. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps. C'est ça la connexion. Un projet en Histoire des Arts. Parce qu'en plus, Histoire des Arts, on adore ça. On était super contentes. Et l'élargir un peu et voir ce que ça pouvait donner. Alors finalement, ça a donné un projet d'établissement où tous les profs ont participé, ont collaboré, ont travaillé. Et un truc qui est devenu énorme. Voilà. Et là, on est dans la 3e année. Alors maintenant, c'est un peu moins les autres et plus nous. Oui, puisque les collègues, la guerre, là, c'est bon. Voilà. Parce que pendant ils ont vécu que ça. Et ça a été, Les profs de lettres, ils peuvent nous suivre encore un peu. Mais, pas trop quand même. C'est dur d'avoir l'adhésion. On a un collège qui fait une comédie musicale à la fin de l'année avec la S danse et la S chorale. Donc c'était forcément sur... je sais plus. Le violoncelle... Le violoncelle poilu. Les professeurs de PS nous ont organisé des courses d'orientation auprès du fort de Sucy. On a couplé ça. Voilà, chaque professeur. Enfin, on a un jardin pédagogique avec notre collègue Frédéric Véron en SVT qui a fait pousser des légumes oubliés de la Première Guerre mondiale. Tout le monde s'est mis. Ça a duré un an. Maintenant, on a recentré un petit peu ça sur l'histoire géo, quand même. Alors, ce qui nous reste de tout ça, c'est que finalement, on peut faire travailler les élèves. En établissant des liens entre l'histoire globale et l'histoire locale. Alors, comment on fait très concrètement? Entre écoliers, collégiens, lycéens. Bon, donc, comme on vous a dit, ça ne vous semble pas très concret tout ce qu'on dit, hein, je pense, mais on va expliquer mieux. On est dans la 3e année d'un projet, voilà, donc un projet où tous les ans, il y a des réalisations concrètes. Donc, première année, ça a été vraiment la très, très grosse année du projet où on a fait plein de choses, comédie musicale, cours d'orientation, histoire des arts, cinéma, sorties mémorielles. Enfin, voilà, vraiment un gros, gros truc pour les élèves. Et aussi, on a voulu les faire travailler sur leur commune. Parce que finalement, leur quotidien, c'est quoi? C'est leur commune. Donc, on les a fait travailler sur les poilus morts de la commune, ce qui était un travail qui n'a rien d'original. Hein. Je pense que dans toutes les communes, on peut très facilement aller au monument mort, relever des noms et faire des recherches. C'est pas extrêmement difficile. Et puis, il s'est trouvé que cette année-là, il y avait un changement de municipalité et que la nouvelle municipalité de la ville était très désireuse de participation des enfants aux cérémonies mémorielles. Bon, jusque-là, on n'avait jamais trop dit oui. Cette année-là, va savoir pourquoi. On a eu des mauvais souvenirs. Enfin, moi, quand j'étais petite, en tout cas, la cérémonie très longue, très ennuyeuse, et puis l'enfant qui est là pour qui attend et qui fait rien. On n'avait pas forcément envie d'y amener nos élèves, hein, clairement.
Oui, c'est ça, au début. Et puis finalement, on s'est dit, mais peut-être que les élèves, ils pourraient en retirer quelque chose et peut-être que ça les intéresserait. Donc on leur a fait faire tout un travail de recherche sur le monument aux morts, sa localisation, sa construction, pourquoi est-ce qu'il avait cette forme, pourquoi est-ce qu'il était situé là. On a eu la chance d'être accompagné par un enseignant de Canopée qui était un spécialiste énorme de la commune. Donc vraiment, dès qu'on avait une question, enfin, il connaissait tous les poilus un par un et il savait nous dire lequel avait le destin plus tragique. Travaillez plutôt sur celui-là, il est plus intéressant. Voilà, donc on a fait plein de rencontres aussi, on a eu beaucoup de chance. On a une archiviste qui est bon, qui voit jamais d'élèves, hein, mais quand même jamais trop personne. Qui voit jamais personne parce en fait, que au sous-sol de la mairie. Voilà, dans les petites villes comme ça, ils ou elles souvent ne sont pas du tout sollicités. Donc quand on les appelle, ils sont là. Hein. Ouais, c'est ça, mais ils sont contents. Ah oui, ils donc, sont contents. Et puis, en fait, donc on leur a proposé d'aller chaque année, donc ce qu'on fait là pour la troisième année la semaine prochaine, honorer la mémoire d'un poilu disparu, donc en lisant un petit texte sur ce poilu. Et donc, là, un des objectifs pour cette année, c'est ben, la participation des lycéens aussi, donc les lycéens de la commune. Donc Aurélie a fait la liaison avec le lycée. Du coup, le professeur de lycée, lui, voudrait s'intéresser à ceux qui sont revenus. En me disant, voilà, c'est bien, vous travaillez sur les morts depuis 3 ans, il y en a qui sont revenus à Lima et Brevan, donc avec ces élèves de première, c'est un travail difficile, parce que nous, on travaille sur les sites, les archives militaires et diplomatiques qui sont en ligne, parce que ceux qui sont morts pour la France, là, quand des soldats qui sont pas morts, c'est difficile de trouver, donc lui, c'est quelqu'un qui travaille aussi aux archives diplomatiques, donc il a réussi à avoir des sources, et les élèves vont, donc nos élèves à nous... C'est Sébastien de l'Hélice. Nos élèves à nous présentent un poilu par classe. Ils ont essayé de faire la biographie la plus complète possible, tout en évitant le côté « Oh mon Dieu, il a eu un courage incroyable », parce que c'est ce qu'ils veulent faire au départ. Donc on a essayé d'éviter ça. Et Sébastien, avec ses premières, ils vont présenter donc des soldats qui sont revenus. Et la mairie nous a proposé après de rencontrer les anciens combattants. Moi, j'avais plein de préjugés, je crois, sur les anciens combattants. Et je me suis retrouvée face à des personnes qui sont très ouvertes, qui sont désireuses de parler avec des enfants, qui savent leur parler de l'expérience de la guerre. Et donc, ils vont tous aller faire des entretiens. Les anciens combattants de la guerre d'Algérie, mais... C'est la guerre d'Algérie, ouais. Et donc, voilà, on arrive à une journée du 11 novembre qui nous prend 3-4 heures, on va dire de 10h à 14h, je pense. Et les parents, évidemment, sont impliqués. La mairie édite une petite brochure et voilà, on a pu montrer aux élèves ce que c'est qu'un travail vraiment dans les archives. Et plus on va dans les archives et on trouve des pépites dans n'importe quelle ville. Nous, par exemple, on s'est rendu compte que le marbrier de la ville, Monsieur Rocard, voilà, on a pris cette information-là. Et puis Monsieur Rocard, on s'est dit, parce que le monument aux morts, on commence à le connaître, mais il y a un Rocard. Puis on s'est rendu compte que le marbrier a gravé le nom de son fils parce que son fils est parti au combat. C'est le premier nom gravé en haut du monument. Voilà. Donc, bon, on a réussi à trouver des petites pépites comme dans toutes les archives, hein, de toute façon. Et les élèves, c'est ça qu'ils adorent, c'est les petites histoires dans la grande histoire. Et du coup, on s'est dit, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut développer et qu'on peut utiliser presque tout le temps, toute l'année, dans tous nos cours. Soit l'histoire locale, soit l'histoire familiale, soit la géographie du quotidien. Vous n'êtes pas tombé dans la... Je suis désolée, mais je vais donner le... Avec les anciens combattants de la guerre d'Algérie, il n'y a pas eu des élèves dans la classe dont les parents étaient ou les grands-parents de l'autre côté ? Si, bien sûr. Si. Et alors ? En fait, même nous, on travaille en banlieue parisienne, hein, donc dans un collège... Lille-Brévan, voilà. Oui. Oui, voilà. Mais c'est sûr que ces questions... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps avec ces choses-là, parce qu'effectivement, j'avais très peur de ne pas savoir comment réagir quand j'allais me confronter à ce problème-là. Et c'est vrai que... Avant, on avait une collègue qui, tous les ans, faisait venir une association d'anciens combattants qui témoignait pendant toute la journée. Et j'évitais toujours très soigneusement de... Voilà, ce jour-là, je ne pouvais pas. Non, j'ai une impossibilité, ce n'est pas possible. Et j'y allais pas, quoi. J'y arrivais pas. Et pourtant, au début, je faisais venir des rescapés de la Shoah et je n'ai jamais eu de soucis. Alors, je ne sais pas pourquoi, avec la guerre d'Algérie, il y a un malaise. Quoi. Mais je pense qu'en ce moment, il y a un malaise avec la guerre d'Algérie et qu'il y a plein de choses qui remontent et les gens qui commencent à parler, quoi. Je ne sais pas. Non, mais ça se passe bien. Mais ça se passe bien. Du coup, ça se passe. Après, moi, c'est un truc que j'ai pas parce que. Moi, je viens de Lorraine. Dans ma famille, il y a eu des malgré nous. Le grand-père de mon ami était soldat nazi. Enfin, bon, voilà, c'est une histoire familiale qu'on a chacun. On n'y peut rien. Il n'empêche qu'on crée un destin ensemble. Moi, c'est que. L'expérience,
Voilà. Ça aide. Et du coup, moi, c'est quelque chose, je peux en parler de manière assez décomplexée. C'est assez important dans mon histoire familiale quand même. Donc, ça ne me dérange pas d'y aller. Et en fait, il ne s'est jamais rien passé de grave parce qu'on est face à des gens qui sont intelligents, puis surtout qui prennent le temps d'écouter les élèves. C'est ça. Et bien souvent, enfin, moi je me rappelle que celui qu'on avait avant, qui est décédé maintenant, à chaque fois il pleurait en leur racontant ce qu'il avait vécu en Algérie, et les gamins ils pouvaient pas lui dire bah oui mais c'est horrible ce que vous avez fait, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils avaient quelqu'un de brisé en face d'eux, enfin je sais pas, c'est pas... On a plutôt eu des adolescents très empathiques et très gentils vis-à-vis de personnes très âgées qui avaient vécu des choses terribles quoi. Et qui parlait clairement de la torture, ils en parlaient clairement. Mais moi je me rappelle que l'année dernière j'ai eu une élève juste après les attentats qui est venue me voir en me disant mais vous savez ma mère elle a quitté l'Algérie à cause des attentats et du GIA et voilà on arrive ici puis ici c'est pareil. Voilà non mais ça m'a mis un coup hein, quand même hein, mais bon mais il faut savoir répondre à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, on est obligé. Ouais. Faut y arriver. Faut pouvoir. Le fait que vous n'ayez pas pu pendant longtemps. Faut... Ouais. Bah, peut-être ça a changé aussi. Ça a changé quelque chose sans doute. Certainement, ouais. Donc on a décidé de leur faire construire, aller à la recherche de leur histoire familiale. Bon, après c'est des intérêts personnels, moi c'est quelque chose qui me passionne, je ne savais pas si je pouvais le faire avec les élèves. Donc j'ai essayé comme ça l'année dernière avant les vacances d'octobre. Bon, vous avez 15 jours, vous voyez peut-être un peu la famille. Est-ce que vous pouvez remonter un petit peu, juste les prénoms, puis si vous avez des photos. Donc il y en a qui reviennent avec des tout petits armes, parce qu'il y en a qui ont des histoires qui s'arrêtent aussi, parce que les parents ne veulent pas parler, ou... pour des tas de raisons, parce qu'ils se sentent pas enfants de leurs parents. Donc il y en a qui ont des petits arbres, il y en a qui ont des arbres plus importants. Bon, certains élèves ont dans leur famille quelqu'un qui a déjà fait ce travail. Et au fur et à mesure de l'année, on a quand même réussi à tous étoffer un arbre. Là, vous avez quelques exemples. Ils ont mis des photos, ils ont mis des photocopies de lettres, de cartes postales, de documents, de papiers d'identité qu'ils avaient. Bon, ça, c'était un travail qui est assez émouvant parce que... Il y a des enfants qui ont parlé pour la première fois à leurs grands-parents de la guerre d'Algérie, par exemple. Il y a un beau-père qui est venu nous voir en nous disant « Bon, je suis sur l'arbre de ma belle-fille. Je ne savais pas que je faisais partie de sa famille. » Parce qu'au quotidien, elle me parle assez peu. Moi, c'est la première fois que l'émotion est rentrée dans la classe avec un travail comme ça. Et donc, à la rentrée, j'ai tout récupéré. Et j'ai fait le cours de la Seconde Guerre mondiale avec leurs expériences. Parce que telle personne avait, tel enfant avait un arrière-grand-père résistant, avec des preuves. Parce que bon, voilà. Il a fallu quand même appeler les parents et puis vérifier deux, trois histoires qui étaient assez étonnantes. De l'autre côté, il y a un grand-parent qui avait collaboré, qui avait eu des soucis après avec sa société. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose que je n'ai pas mis forcément en évidence. Mais ça nous a permis de construire la leçon uniquement avec... non, pas uniquement, j'exagère. De moitié avec des exemples familiaux des élèves. Et dans le même ordre d'idée, alors moi, j'ai pas travaillé sur ça du tout avec ma classe de 3e, mais avec une de mes classes de 4e, dans le chapitre sur l'immigration. Alors, c'est une classe avec beaucoup d'élèves immigrés. Je leur ai dit, est-ce que peut-être vous avez envie de raconter pourquoi votre famille est arrivée là, comment, quand, quelle génération, etc. Et ça a assez bien marché. Ils ont été... je pensais qu'ils n'allaient pas vouloir, et en fait, si, ils étaient très contents. Ils étaient très contents de partager leur culture et leur histoire avec le reste de la classe. De la découvrir aussi des fois. Ouais, et ouais, de découvrir, oui, c'est vrai qu'il y avait des élèves qui ne savaient pas trop d'où ils venaient, c'était pas très clair. Bon, voilà. Mais c'était un moment très riche, j'ai trouvé. Et ça a permis aux UPE2A de la classe de se rendre compte que voilà, ils n'étaient pas les seuls à venir d'ailleurs. UPE2A. Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, un truc comme ça. Voilà, et du coup, avec tous ces matériaux qu'on avait collectés, on s'est dit qu'on allait faire un film. Parce que finalement, une fois qu'on avait récolté la parole des élèves, on est allé demander aux collègues s'ils n'avaient pas des histoires à nous raconter aussi. Et donc, on a travaillé essentiellement sur la Première Guerre mondiale, en fait, parce que c'était notre projet centenaire, ça nous arrangeait bien, ça rentrait bien et tout, voilà. Et mine de rien, on a quand même eu, ce qu'on n'aurait pas du tout pensé au départ, beaucoup d'élèves qui avaient des choses à dire sur la Première Guerre mondiale. Bon, les collègues, on savait bien qu'il y en aurait, on n'était pas très étonnés. Mais finalement, on a fait un tournage avec... On a demandé à quelqu'un de Canopée de venir filmer, parce que ça, filmer, on ne savait pas du tout faire, la prise de son, le micro, machin. Notre parrain de Canopée est venu. On a fait un scénario avec les élèves, on a travaillé avec eux, on a travaillé avec trois classes, je crois.
voilà, trois classes des quatrièmes et des troisièmes. Et puis, on leur a demandé, voilà, est-ce que vous avez des souvenirs familiaux de la Première Guerre mondiale ? Est-ce que vous voudriez les partager ? On leur a laissé un petit peu de temps. Ils nous ont ramené des choses, des documents, des livrets militaires. Des fois, ils nous envoyaient leurs parents qui racontaient mieux qu'eux en nous disant, bah, alors moi, je ne sais pas trop, mais ma mère, elle va vous expliquer tout ça, etc. Et puis on a fait un petit sondage aussi chez les collègues. Ce qui était touchant, c'est que finalement, ils avaient tous quelque chose à dire. Et puis qui nous ont dit, bah alors moi la première non, mais la deuxième oui, alors j'aimerais vraiment bien s'il y a une suite. Puis la guerre d'Algérie, bah la guerre d'Algérie, il y a des choses à dire, l'Indochine, n'oublions pas l'Indochine. Et en fait on s'est rendu compte que là il y avait vraiment un truc énorme à exploiter. Ouais. Et mon histoire aussi. Personnel de direction, ouais, personnel aussi, de direction. C'est marrant. Le best chef ever ever, il a fait un super beau témoignage, magnifique. Voilà. Et au final, bah ça donne ce film. On va vous montrer un petit morceau. J'espère 48 minutes, hein, on ne vous montre pas tout. On ne vous montre pas tout, mais un petit morceau pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Bon, on a quelques mois de montage pour arriver à 48 minutes. Hein, parce qu'on avait... C'était les profs, surtout. Mon ancêtre s'appelait Baptiste et son surnom, c'était Pépère. Et son surnom, il a aussi été donné à mon arrière-grand-père, du côté de ma mère. Il était soldat, il était artilleur, comme on voit sur cette photo. Il est ici. Et là, on voit un des canons. Je ne savais pas que j'avais un ancêtre qui avait participé à la Première Guerre mondiale jusqu'à ce que mes parents y retrouvent ces informations. Comment as-tu connaissance de ces souvenirs ? C'est grâce à ma grand-mère et à ma mère qui a fait des recherches généalogiques. En fait, je suis un peu triste de ne pas en avoir entendu parler avant et puis... Je sais que c'est arrière-arrière-grand-père, c'est vieux, mais j'aurais bien voulu le connaître et parler de tout ça. Merci. Albert Garnier, donc habitant de Saint-Lubin, en Eure-et-Loire, était dans l'aviation en 1914, pendant la guerre, et c'était le frère de mon grand-père. Il est devenu donc mécanicien de bord et tireur à l'intérieur des avions. Donc le travail du mécanicien de bord et du tireur est un travail assez compliqué puisqu'ils avaient en charge de tirer sur les ennemis en plein vol avec un petit fusil type mousqueton, fusil Lebel, quand ils s'approchaient d'assez près des ennemis. Ils avaient aussi en charge de lancer des fléchettes et des petites bombes par-dessus bord pendant leur vol. Mais aussi ils avaient comme tâche, qui était quand même à mon avis une des plus compliquées, de réparer les avions et ce en plein vol. Il allait défendre et aider ses camarades de combat au-dessus de Verdun, qu'il voyait les usines fabriquer les canons qui allaient tuer ses camarades et qu'il avait interdiction de les bombarder. Et je crois que ça l'a vraiment traumatisé. On ne détruit pas l'usine, même si, à l'instant T, l'usine servait à fabriquer des choses qui détruiraient l'humain. Et je pense que pour un militaire, pour quelqu'un qui souffre au combat, qui avait eu son frère qui aussi a fait la guerre de 14, qui lui a été décoré, gueule cassée, et ainsi de suite, je pense que c'était quelque chose d'assez traumatisant. Juliette, comment s'appelait ton ancêtre qui a participé à la Première Guerre mondiale ? Il s'appelait Jean Santouille. Et il était qui par rapport à toi ? Mon arrière-arrière-grand-père du côté maternel. En fait, c'est à la mort de mon arrière-grand-mère, on a fait un livre sur elle et du coup on raconte aussi l'histoire de ses parents. Et... Appelé sous les drapeaux en 1914, Jean Santouille est incorporé au 14e régiment d'infanterie de Toulouse. Il est blessé en Artois le 29 octobre 1915 au cours d'une patrouille en avant d'une tranchée de première ligne, jambe broyée par un éclat d'obus. Reste 12 heures sur le terrain et subit 3 amputations successives. Il est évacué au centre d'appareillage de... Ça continue comme ça pendant longtemps. Donc avec des chapitres sur l'histoire européenne, sur En fait, ce qui était intéressant, c'est que comme on avait des collègues et des élèves issus d'immigration, certains n'avaient pas combattu forcément dans le camp français ou avaient combattu chez les alliés. Donc on a un collègue dont le grand-père, arrière-grand-père, avait combattu auprès des troupes portugaises qui donc combattaient avec les Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Et on a eu des histoires assez drôles parfois, assez tristes souvent. Et ça a donné quelque chose dont on est quand même très très fiers. Voilà. Donc c'est là pour le coup vraiment, c'est une démarche de chercheur, quoi. On cherche,
on trouve, des fois on trouve pas. On doit sélectionner, c'est dur. Parce que du coup, on avait plein de choses sur la Deuxième Guerre mondiale et finalement, bah, on a dû laisser tout ça de côté parce qu'il fallait choisir. Voilà. C'est ça le choix ? Attends, je vais prendre le micro, s'il vous plaît. Merci. Le choix, comment il s'effectue ? Si c'est des documents amenés par les enfants, des souvenirs familiaux, comment le choix s'effectue ? Moi, c'est là que j'ai besoin des aventuriers. Clairement, parce qu'on savait ce qu'on voulait. On connaissait le produit final dans nos têtes. Donc, clairement, surtout la première année, moi, le choix, c'était par rapport au film que je voulais après. Je voulais de l'émotion, je voulais des choses un peu drôles, des choses tragiques. Donc, le choix, je l'ai fait moi. Et j'ai besoin d'avoir à nouveau un scientifique auprès de moi pour ouvrir et pour montrer aux élèves, voilà, les mettre eux-mêmes dans cette position-là. Parce que le contrôle, il est encore fort. Je pense que cette année, il sera moins de ma part, je vais moins contrôler. Mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui fasse ça pour moi, clairement. Parce qu'ils n'ont pas assez réfléchi là, je pense. C'est-à-dire qu'on travaillait sur la Première Guerre mondiale, ça nous semblait plus facile. Évidemment, la guerre d'Algérie, peut-être, ça aurait été beaucoup plus pertinent avec le public qu'on a. Ou la guerre d'Indochine, ou mais la Deuxième Guerre mondiale. Mais le film, il est pour qui ? Finalement, il est pour personne, quoi. Alors le problème, c'est que bon... On l'utilise en classe, quand même. On l'a utilisé en classe cette année pour leur montrer que la mémoire de la guerre, c'était quelque chose qui... pour faire le cours avec des documents. Voilà. Bon, c'est un projet centenaire, labellisé centenaire par la mission centenaire. Donc je pense qu'un jour, il sera déposé sur la plateforme de la mission centenaire. Pour l'instant, c'est pas fait, mais on vient exemple, de... Par exemple, il n'a pas été diffusé à la mairie ou en invitant les parents ou des choses pas, comme ça. Pas encore, mais comme je vous ai dit, on a fini de monter il y a 2 mois. Donc voilà, c'est un travail... ça a été un travail vraiment très long pour nous parce qu'on avait, je crois, on a tourné sur 2 jours. Donc on avait 2 journées entières de rush. À couper, monter, mettre le son, incruster des images, etc. Ah mais on n'y connaît rien du tout. Donc à chaque fois, il fallait qu'on aille à Canopée, à Créteil, voilà. Avec Daniel Martin, qu'on s'assoie à côté de lui. Et en sachant que voilà, c'est lui le spécialiste de Limay Brévin. Donc il regardait tout 2 fois. Lui, en disant, en plus, non, ça va pas du tout, les filles. Ouais, et lui, il avait conservé le témoignage filmé du dernier poilu de la ville. Ouais. Donc il a fallu mettre ça dedans et puis pour lui c'était comme son grand-père, donc ça a été quelque chose d'assez énorme. Et c'est vrai que maintenant que c'est fait, 1 an et demi, qu'est-ce qu'on en fait, on sait pas trop encore, mais on est fiers. Mais on sait pas trop, je veux dire, à part l'utiliser là avec les élèves. Oui, le micro là, j'ai pas la réponse encore. Ça m'intéresse quand tu dis, donc le spécialiste de l'histoire de la ville qui dit « Ah non, ça va pas du tout ça les filles », qu'est-ce qui n'allait pas du tout ? Des fois, nos choix de... on avait fait une démarche où on avait fait, on avait filmé 2 jours, fait un storyboard en disant ça va être comme ça dans cet ordre-là, le planning de tournage, etc. C'est les élèves qui étaient censés gérer, filmer, poser les questions comme vous avez vu. Voilà, il y avait juste une aide technique pour les micros. Après... des rushages, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, fatalement on a envie de tout garder. Et du coup, notre choix, ça a été de faire 4 petits films en fait. Donc là, celui qu'on vous a montré, c'est Le Front. C'est un film qui s'appelle Le Front sur les soldats qui étaient au front. Il y a un film qui s'appelle Les soldats des colonies, il y a un film qui s'appelle Les familles déchirées dans la guerre, et le dernier film, c'est Le dernier poilu de Limay Brévin. Mais pour nous, tout était intéressant. Voilà. Et on a coupé des trucs au montage, je suis sûre que si on re-regardait les rushs, on trouverait que c'est inhumain d'avoir coupé ça et qu'il fallait absolument l'intégrer. Et voilà. C'est pour ça que ça a pris 1 an et demi, quoi, fatalement. Mais non, lui, il nous dit... Lui, il nous disait, je vous fais confiance, c'est votre film, c'est vous qui faites. Là, j'aurais pas fait comme ça. Bon, on verra bien ce que ça donne à la fin. Enfin, ou des choses comme ça, quoi. Intégrer de la musique, intégrer des images, chercher des images, les numériser, que ce soit d'assez bonne qualité pour qu'on puisse les mettre, etc. Enfin, voilà, c'est le travail de nous après, quoi, ça. Après les élèves, on va dire. Mais quand même, ça reste un matériel pédagogique pleinement utilisable en classe et qu'on n'a pas manqué d'utiliser. Et puis l'histoire du dernier poilu de Limay Brévin, c'est un truc, c'est génial, quoi. Il s'appelait là, il habitait là, il a été dessiné par Tardy, il l'a rencontré, c'est quelqu'un qui a eu une histoire incroyable. Tardy qui a fini dans la ville. Qui a fini centenaire, c'est un truc de fou. Les élèves, ils sont tout contents, ils font mais c'est dingue, il habitait Limay Brévin, juste à côté de chez ma mamie et tout. Enfin, ils aiment bien ça. Si je peux me permettre, juste si vous avez la possibilité de leur donner en support DVD, n'hésitez pas, parce que en fait moi je sais, mais alors en fait ça peut être fait assez facilement à monter,
Et en fait, moi j'ai fait aussi des courts-métrages, mais pas du tout historiques. Et ça, c'est le truc qui garde, mais vraiment, mais précieusement. Donc, si mais je pense parce qu'ils étaient. Ils voilà, étaient mais je vous fiers. Le dis, c'est, moi, bah, tous les là, courts-métrages que j'ai fait, mes élèves, ils ont. Hein. Ça va s'en mettre. Non, ils sont partis, mais là, justement, on leur a remis leur diplôme de brevet. Là, il y a. Ils sont partis, mais ils sont au lycée d'à côté. Et ouais, on travaille avec eux. Il n'y a pas de souci, on va les voir là le 11 novembre. Et ils reviennent quand même. Hein. Ils reviennent et c'était. Peut-être qu'après, pour eux, ça leur a pas semblé un projet aussi énorme qu'à nous, quoi. Parce que nous, vraiment, c'était. Ouais, c'était un truc énorme, quoi. Mais voilà. Ça fait partie de la démarche dans laquelle on est en ce moment. Hein. Mm. C'est parce que ça m'interpelle, hein, la question. Et en fait, le film, c'est pour qui ? Mais c'est juste qu'à force d'avoir expérimenté plein de trucs, il y a un moment donné, quand quelque chose est fini, bah oui, il faut faire le travail après. Il faut penser à. Effectivement, c'est hyper logique, mais c'est juste que comme on faisait plein d'autres trucs. Bah, c'est bon, Stéphane. Oui, je vais vous donner une de mes interrogations. Avec l'école maternelle avec qui je travaillais encore l'année dernière, il ne faut pas des enregistrements vidéo, mais radio. C'est-à-dire qu'on fait parler les enfants. Alors, pareil, le montage coûte des nuits et des jours et des week-ends au directeur de l'école. Mais l'idée est bien de produire une cassette pour les parents qui payent 2 euros. Mm. Pour entendre la voix de leur gosse et de celui des autres de la classe, et ça finance une partie des activités scolaires. Reste que moi, j'ai quand même une question qui est la même que la vôtre sur le profit pédagogique de ça. Je vois bien l'importance de la relation avec les parents, parce que les parents sont très mobilisés pour ça et ils écoutent. Peut-être pas trois fois, mais tout le monde achète. Tout le monde achète. Mais en même temps, je vois que l'énergie de préparation de l'enregistrement, au fur et à mesure que plusieurs années de suite ils le font, d'une certaine manière standardise le travail pour arriver à ce qu'on ait un produit relativement propre et qu'il n'y ait pas des heures d'effacement derrière, etc. C'est bien pour ça qu'on n'est pas en train de tourner la Deuxième Guerre mondiale. Ah voilà. Et du coup, on se demande si le produit... ne mange pas le processus de production. Je ne sais pas comment il faut dire. Enfin, vous comprenez mon problème. C'est ce que vous disiez au début, on ne sait pas si les élèves... Là, pour le coup, la plus-value de ce travail-là, je la connais parce qu'ils ont compris ce que c'était que l'histoire. Ouais, c'est ils ont compris qu'il y avait des individus derrière. Oui, mais vous n'auriez pas fait le film, ils l'auraient compris quand même. Eh bien, pas pareil. Pas forcément, je pense. Pas pareil, là, c'est dans... Enfin, quand un élève dit, moi, je le vois dans mon sang maintenant. C'est différent, là. C'est parce que voilà, ils sont nés de ça. C'était leur arrière-grand-père. Oui, mais vous n'auriez pas fait le film. Vous auriez fait tout le travail en amont de réunion, etc. Et c'est là qu'ils l'ont vu. Quand ils sont allés lire la lettre pour l'ancien combattant au 11 novembre. C'est-à-dire que tout le travail, votre surtravail qui vous a appris des choses. Oui, mais à il vous. Reste le surtravail quand même. Il reste un matériel pédagogique que je pourrais réexploiter pendant 20 ans, parce que j'en ai pour 20 ans avec ça. Enfin, non, mais c'est vrai, hein, vraiment. Oui, mais ce ne sera pas avec ceux qui ont participé pas à sa forcément. Production. Mais encore une fois, c'est une petite ville, ils se connaissent, c'est le frère de truc, le cousin de truc. C'est la dimension locale qui c'est fait la dimension locale, encore une fois. Après, ça m'embêtait aussi l'élève qui arrive avec ses documents. Son travail et puis on l'écoute une fois et puis après c'est terminé, puis tu rentres à la maison, merci. C'était oui, ça on s'appelle fixer. Un devoir de classe. Oui, mais on voulait fixer parce que là c'est pas un devoir, c'est pas pareil là. C'est leur famille, c'est pas un devoir, c'est pas je vais aller faire un petit truc, c'est plus important. Moi, ça fait résonance à des choses personnelles, hein. Oui. Parce que nous aussi on a raconté notre histoire dans le film avec eux à leur côté. Et que du coup, on a partagé quelque chose avec eux aussi. Et quelque chose souvent qui n'était pas très drôle. Quoi, ça a donné quelque chose, oui. Je suis un peu d'accord avec toi sur Anne-Marie, sur la quantité de travail que ça demande à l'enseignant et qui peut décourager, qui peut fatiguer ça. Mais néanmoins, ça fait écho à un gros travail que j'avais fait avec des élèves il y a quelques années en géographie, un hyper paysage. C'était super. Sauf que c'est moi qui avais fait toute la partie technique. Ouais. Et l'objet final, si vous voulez, les élèves n'ont pas fait l'objet final, mais ils l'ont eu sous forme de CD et je l'avais mis en ligne. C'était un site internet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parce que c'était en ligne sur un site internet, et c'est ce qui se passe ici aussi, en fait, ce qu'ils ont produit, ça devient du savoir pour les autres. Ils sont devenus source de savoir. Quand même, ça, c'est pas rien, finalement. À condition qu'ils le sachent, mais ça change quand même. Alors bien sûr, c'est pas en histoire, mais on parlait tout à l'heure de positionnement par rapport à la connaissance et à sa source. Et je trouve que là, du coup, ça devient intéressant. Oui, si tu veux,
vient de dire qu'on peut qu'adhérer, sauf de dire que c'est exceptionnel et qu'on ne peut pas imaginer que ça va être obligatoire pour tout le monde demain. Et ce qu'elle disait au début, qui est, c'est plus confortable, on a quand même aussi cherché des choses qui nous libèrent du temps, etc. Pour après. Ah bah non, mais. Alors, voilà. C'est ah bah. Ça. Bah puis, là, il n'y avait pas que le projet là, donc ça a été ça le problème. Oui, il y avait mais, pas que ça. Il y avait plein d'autres choses à côté. On voulait que ces classes-là obtiennent le label centenaire et il fallait une production. Ah ben, bah, bon, voilà. Voilà. Ça, c'est une information très importante. Il fallait, oui, il fallait une production. Et donc. On doit rendre des choses pour être voilà. Labellisé, quand même. On est labellisé, donc tous les ans, normalement, on essaie d'avoir une production. Alors, ça, c'est ce qu'on. Je pense que c'est un des plus beaux trucs qu'on ait fait. Mais bon, après, il nous reste encore des années de projet. Il faudrait qu'on fasse d'autres choses. C'est jusqu'en 2018. Après 2019, on passe à 39-45. C'est bon. Donc ça on vous est apporte quoi la labellisation? Pas grand chose. Le petit macaron, bleu, blanc, rouge. De faire un petit mot qu'avec Antoine Pro sur le problème de la. De, sur le problème de Verdun, raconté à la fois par un historien allemand et un historien français. Oh, c'est beau ça. Verdun, c'était notre thème d'étude pour 2016. Voilà. Alors normalement, on devrait faire l'enregistrement d'Antoine Pro avant la Noël. Oh, c'est bien. Voilà. Okay. Je sais pas si. Voilà, et donc bah, tout ça, ça donne un projet finalement qui a plein d'enfants, de petits frères, de petites sœurs, puisque finalement vraiment l'idée d'un travail sur l'histoire locale et la géographie locale et l'articulation locale globale, bah, c'est quelque chose qu'on peut quand même facilement travailler. Alors là, j'ai travaillé en 6e par exemple la semaine dernière, ça a bien marché, sur leur ville. Bon voilà, la ville, qu'est-ce qu'ils aiment bien, où est-ce qu'ils habitent, les quartiers, voilà, un truc très bateau. Puis après, je leur ai dit, bon, maintenant on va imaginer qu'on est des aménageurs et qu'on va transformer une partie de la ville pour dans 30 ans. Qu'est-ce qu'on transforme? Qu'est-ce qu'on change? Donc ils ont chacun, par trois groupes de 3 ou 4, imaginé un projet pour un endroit de la ville qu'ils veulent transformer. Et du coup, ils l'ont modélisé. Bah, c'était assez étonnant, parce qu'ils avaient des idées quand même. Voilà, des choses comme ça. Bon, c'est tout bête. C'est des choses, c'est pas quelque chose d'une extrême complexité, difficulté et tout. Voilà, c'est facile à mettre en œuvre. Mais on peut vraiment faire des choses comme ça. Alors, par exemple, autre chose sur la Révolution... Bah bon, ça je pense que plein de profs le font, mais travailler sur le cahier de doléances de la commune, ou si jamais il y a des archives de la commune, travailler sur des. En troisième, là on a travaillé beaucoup sur les anciennes cartes hygiènes, bah ça a marché du feu de Dieu, ils ont bien aimé quand même. Puis voilà. On a des EPI maintenant, pour essayer de moins s'éparpiller, voilà. Ce qu'on fait en plus, on essaye de faire des choses deux en un ou trois en un, et donc les EPI, on les fait sur l'histoire locale. Ça, c'est en genèse encore. Hein. C'est en train de se faire, mais il faut le faire. Voilà. On a fini ? Merci. Du coup, moi, ouais, peut-être des questions. Est-ce que ce projet, il a essaimé dans l'établissement? Est-ce qu'il y a d'autres enseignants qui se sont saisis de votre démarche? Vous parliez tout à l'heure du local vers le global. Est-ce que ça a été transposé dans d'autres disciplines? Ça a donné des idées? Avec les EPI, oui, forcément. On les embarque, on n'a pas le choix. Hein. Bon, on a la chance d'avoir de la co-intervention. Donc ça, c'est bien. Je suis en train de réfléchir parce que les professeurs de lettres, ils faisaient déjà avant. Alors ça ne vient pas de nous. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Je pense qu'on a renforcé le travail quand même histoire-lettres encore plus qu'avant. Ouais. Je pense vraiment. Et puis finalement, il y a d'autres disciplines qui viennent se greffer qu'on n'attendait pas forcément. Ouais. Comme la SVT. Alors quand on étudie notre ville, ben, du coup on étudie son biotope. Enfin, des choses comme ça. C'est pas des choses, encore une fois, c'est des choses, je pense, qui doivent se faire dans plein d'établissements. Mais encore, faut-il le faire, quoi. Ouais. C'est vrai qu'à SVT, quand on travaille sur l'imam Brévan pendant la Révolution, et que la professeure de français travaille sur l'imam Brévan dans 100 ans, et que le professeur de SVT, il trouve des coquillages, parce qu'avant, voilà, il nous change d'échelle et il nous fait aller il y a 300 000 ans, on arrive à avoir quelque chose comme ça. Ça a mis du temps à essaimer, parce que je pense que 2014, on a fatigué tout le monde. On les a épuisés, on les a tués. Non, mais vraiment, c'était vrai. Parce qu'en plus, on se lançait dans le numérique et puis ça, voilà, il y a eu tout en même temps. Ouais. Et que ça a duré un an. Bon, alors l'année d'après, ça s'est un peu tassé. Du coup, on a laissé tout le monde tranquille et on a essayé de se faire petite.
Non, quand même pas, mais un peu, bon, non, ça, tout va, enfin bon. Voilà, laisser la place aux autres aussi, parce qu'un projet d'établissement, on a pris de la place, donc après, il faut vraiment s'effacer. Et cette année, donc, c'est redevenu, on a normalisé notre place, on va dire. Et, ouais, mais ça a pris du temps. Moi, j'ai une question par rapport à l'histoire locale et l'histoire globale. En fait, j'étais d'accord avec vous sur histoire locale et histoire globale, mais je viens d'arriver dans un nouvel établissement à Saint-Denis. Et en fait... C'est quel établissement ? Jean Lursa. Mmh. Oui, c'est moi. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils étaient tellement sur leur quartier et leur histoire locale qu'il fallait que je les emmène ailleurs, parce que c'est des élèves, par exemple, qui s'imaginent même pas que Toulouse, c'est une ville. Ils pensent que c'est un village. Et ils pensent que... Oui, c'est le troisième. Ils pensent... En fait, c'est pour ça que j'ai du mal... Enfin, autant j'étais d'accord jusqu'au mois de septembre sur l'histoire locale. Il faut absolument les inscrire là-dedans. C'est hyper important pour la mémoire, etc. Autant là, je commence à changer d'avis. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Je pense que, après, voilà, c'est l'histoire de, entre guillemets, la cité, quoi. C'est l'espèce... Franchement, il faudrait un sociologue. Hein. C'est le sentiment d'appartenance à la cité. C'est de la géographie aussi. Hein. Ouais, c'est la géographie aussi. Mais nous, c'est vrai que quand on leur dit, les petits sixièmes tout mignons, t'es où, t'es dans quel quartier, tout ça. Alors nous, il y a des pavillons, puis il y a une cité, voilà. Enfin, une cité près de notre collège, puis d'autres cités ailleurs. Mais voilà, près de notre collège, il y a une grosse cité. Et tout de suite, le mot de « ah ouais, toi, t'es de la cité, je sais pas quoi », tout de suite, en sixième déjà, ils le disent. Et c'est vrai que le rapport des adolescents au territoire, c'est quand même quelque chose de très particulier. On a fait des défis Twitter pour ça. Ouais, on a fait des défis Twitter. Alors, les défis Twitter, oui, c'est vrai. C'est la réponse. Les défis Twitter, l'année dernière, on a voulu faire une petite vidéo de présentation pour que chaque classe se présente aux autres. Bon. Et donc, on était nous deux, alors chacune avec une classe, et puis deux classes en Dordogne. En Dordogne, mais dans la Dordogne rurale profonde, quoi. Et donc, on passe la petite vidéo de la classe de Dordogne. Mes élèves, ils me regardent comme ça. Ils disent, madame, c'est tous des babtous. Ils sont blonds. C'est des jambon-beurre. Ils sont tous blonds. Ils ont des beaux cheveux. et on s'est rendu compte que c'était un choc culturel, quoi. Et de l'autre côté, le choc, il a dû être vraiment fort, hein, pour le coup. Parce que les miens, surtout, c'était une présentation où ils dansaient, ils se mettaient en scène, vraiment. Comme ils sont en vrai, quoi. Ah, ils jouaient au foot, c'était long, et puis c'était vraiment un autre rapport à l'image de soi, à ce qu'ils voulaient montrer d'eux. Ah, c'était compliqué parce que nous, la première épreuve, donc petit défi, on n'était pas, c'était toi le juge ? Non, première épreuve, non, je ne sais plus qui était arbitre, je crois que c'était la classe de Guillaume. Donc il fallait respecter les règles de Twitter, surtout il fallait pas faire une faute d'orthographe, il fallait répondre juste, il fallait être poli. Donc ils ont été extrêmement attentifs et ils ont été très très mauvais joueurs, vraiment, parce que les autres ils étaient trop beaux, ils avaient l'air trop riches, les autres avaient l'air trop bien dans leur petite maison, trop voilà. Donc c'était la guerre. Et on s'était fait une réunion avec les collègues et moi je leur avais dit que ça me faisait un peu peur parce que passer l'année avec cet état d'esprit-là, je ne voyais pas la plus-value de faire les défis Twitter. Et après, quand on a dû arbitrer, là les choses elles se sont posées. Et donc on a fait 5 défis en tout et ça s'est très bien fini. Vraiment, ça s'est fini avec des envois de cadeaux. Et là ils ont vu ce que c'était qu'un village et ils ont vu ce que c'était habiter une ville moyenne, ça a été de l'ouverture qu'on a proposée. Ça coûte rien, c'est parce que forcément, là, on ne peut pas les faire sortir, on ne peut pas les faire voyager. Là, les réseaux sociaux, je pense que ça peut être une réponse pour sortir de la cité. Pour aller connaître l'autre en face. Les profs d'Ordogne ? Oui. Bah oui, c'était Olivier Quinet et Guillaume Veilleret, avec qui on a des habitudes de travail. Voilà, on partage la même vision de la pédagogie. Puis on s'est dit comme ça un jour, bah tiens, si on faisait des défis Twitter, allez, ce serait rigolo. Ouais. Puis il y avait des élèves aussi, les élèves de... Des élèves du Lys aussi. Ouais, une classe du Lys en Bretagne. Voilà. Donc une petite unité, une dizaine d'élèves avec des problèmes de santé importants. Donc ça a permis une ouverture aussi où ils se disaient « Oh, eux, ils sont malades, alors il faut leur faire quelque chose de très simple. » Puis après, ils se sont dit « Ah, ils vont peut-être mal le prendre. » On a travaillé à l'empathie. Hein. Ouais, puis mine de rien, ce qu'ils ont préféré, c'est qu'à la fin, on a fait un procès. Le dernier défi, c'était de l'EMC, c'était un procès. Ils ont adoré, mais nous aussi, hein, c'était super. Hein. C'était à partir d'un jeu sérieux. Et j'ai oublié comment ça s'appelait. 2020, Ex Machina. Ouais. C'est, voilà.
Et donc, c'était un salarié qui est licencié parce que on a découvert des choses terribles sur lui. Il y a une vidéo où il fait semblant de massacrer un chat 15 ans avant et ça ressort sur Internet. Alors qu'il travaille dans une association de protection des animaux, ça fait tâche. Et donc, le but, c'était de savoir comment est-ce que cette vidéo a pu ressortir, quel ancien contact, est-ce que son compte avait été protégé, comment. Voilà, ça c'était ça, le c'est jeu. Le jeu. Et du coup, nous, on a fait. On le défend. On est le procureur, on attaque. Et donc, on a fait un procès. Et donc, moi, je me suis retrouvée en procès en live, en plus, contre la classe d'Olivier. Bah, c'était pas drôle. Hein. Et donc, nous, on arbitrait. Oui, ça, c'était très bien. Ah bah c'était pas, non. C'est pas toi. Pour moi, c'est moi. Parce que, je savais que t'allais dire ça. On a été meilleurs. On avait des arguments implacables. Non, on n'a pas gagné, je crois. Ils ont adoré. C'est un super moment. Voilà, c'est la réponse... qu'on peut apporter, mais c'est vrai que c'est un problème. Hein. Cette histoire, cette territorialité. Mais après, je sais pas, les professeurs des écoles. Moi, je voulais. Vous avez eu des oppositions dans le collège ? Non. À part les collègues, oui, qui ont pouvait plus au bout d'un an. Qui étaient un peu saoulés parce qu'on est marre de la guerre. Tout le temps. Quoi, encore la guerre hein. Et quand est-ce qu'on sort des tranchées, on a eu un peu ça et on pourrait pas faire autre chose. Alors nous on leur dit bah ouais, après on fait le génocide. Bon, ça les amuse pas trop du coup, mais c'est des blagues de prof d'histoire. Mais non, pas tant que ça. Et puis même quand on va trouver les collègues de français en leur disant est-ce que tu serais d'accord pour, ils sauvent plus en courant dès qu'ils nous voient maintenant quand même. Donc il y avait eu les profs de sciences un peu, puis finalement les parents pas d'opposition. Non, pas d'opposition particulière. Je connais des collèges où il y a deux fronts, c'est-à-dire des profs comme vous, enfin qui essayent d'être comme vous, et puis il y a ceux qui disent quand même on n'a pas le temps. C'est-à-dire que faire sérieusement son boulot avec les programmes, ça suffit. Alors, on fait le programme. Oh là, on fait le programme. Je suis comme ça aussi. Hein, le fait de préparer ces nouveaux programmes pour trois niveaux, c'est en train de me prendre un temps incroyable. Et encore, on partage. Et encore partage. Partage, et on est trois à faire les cours ensemble. Donc moi, si un collègue là vient me dire, notre chef d'établissement va nous dire on va faire un échange avec l'Inde, assez vite, moi j'ai dit non, c'est bon, je laisse à quelqu'un d'autre. Là, je vois pas le... Je suis pareil. On essaie toujours d'intégrer. Si j'arrive pas à intégrer dans ma programmation, je le fais plus. Oui, parce que quand même, c'est vrai qu'il y a eu un peu une phase d'espèce d'emballement et d'acceptation de plein de projets un peu fous, et de faire une présentation là, et là je vais là, et là je vais trois jours à Educatech et tout ça. Et il y a un moment où finalement, les élèves ils en pâtissent quand même, hein, parce que notre travail c'est les élèves. Donc maintenant on essaie de faire des trucs, mais avec les élèves, enfin ou complètement tout le temps avec les élèves, et que ce soit intégré dans le cours et que ce soit bien pour eux et que ça leur serve. Ouais. Et tant qu'à faire, si ça peut faire de la paix ou de l'histoire des arts ou du parcours à venir ou c'est un truc qu'on a réussi à développer. Essayer de faire des trucs mais intégrés, c'est-à-dire on fait de la géographie, mais hop on fait un peu de MC et hop on fait un peu de réseaux sociaux, on les rajoute. Enfin, oui, mais on découvre. Mais oui. On découvre tout mais ça. Mais on découvre. Nous, on fait tout. Enfin, après on est un peu tout seul dans notre classe aussi. Mais c'est vrai qu'on est avec nos collègues, on fait souvent des projets à plusieurs classes, ou à plusieurs écoles, c'est plus facile. Et notre temps est dilué par rapport à vous. Donc c'est plus facile de faire des projets même concentrés sur un temps que secondaire, hein, c'est certain. Mais pour nous, ça nous paraît pas. Pour nous, ça nous paraît normal. Bah oui, forcément. Bien sûr. Parce que dès qu'on a un projet, on raccroche forcément un maximum de choses autour. C'est pas la même problématique hein, sur ça, c'est sûr. Là, c'est quelque chose que les professeurs de secondaire, on est en train d'apprendre. Certains professeurs du secondaire sont en train d'apprendre. Ce matin. Pas les professeurs. Moi, j'ai un discours un peu critique, alors que je suis quand même une prof enthousiaste, donc je leur jette pas la pierre pour le coup. Par contre, ce matin, on se posait justement le problème de la proximité de l'histoire personnelle. Hein. Ce matin, on posait le problème dans le problème de la proximité personnelle, et en disant justement que s'il fallait qu'on prenne l'histoire comme un objet pour pouvoir justement s'en détacher, ou alors j'ai peut-être pas bien compris, mais c'est ça, qu'il fallait s'en détacher pour pouvoir justement le traiter en historien. Alors que là, en fait, vous êtes vraiment dans l'émotion. Les acteurs. D'où l'intérêt de s'aventurer. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un, là. Oui, ce qu'on évoquait ce matin, c'était le risque qu'éventuellement l'histoire personnelle des élèves, des familles, soit une histoire douloureuse,
ou tabou. Et qu'on se heurte à des problèmes. Mais quand c'est comme ça, on les oblige pas. On leur dit, bon, tu veux pas, ok, t'as le droit, tu. Mais pour le film, par exemple, on a eu des élèves qui n'avaient pas du tout d'histoire familiale et qui ont voulu venir dire à la caméra qu'ils n'en avaient pas. Oui, ça, c'est vrai aussi. Voilà. Oui. Et en disant, bah, alors moi, non, je connais rien du tout sur tout ce qu'ils disent. Moi, je viens d'Afrique. Bon, j'aurais des trucs à dire sur l'Afrique éventuellement si ça vous intéresse. Puis hop, ça s'arrête, quoi. Ouais. Mais ils ont voulu quand même venir le dire. Mais c'est vrai que là, cette réflexion-là. Elle est importante parce que l'émotion, là, elle a pris tellement de place qu'il a fallu un moment, on a fait ce recul-là. Mais moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un maintenant pour m'aider à le faire. Ouais. Ben non, elle n'est pas là forcément, c'est un mentor. Bah, c'est leur travail, bien sûr. Oui, voilà. Sur la Shoah, elle travaille sur les femmes juives de 30 à 40, à la fin des années 40. C'est sûr que quand c'est son sujet de thèse... je travaille avec des archives orales, des archives des témoignages écrits, etc. On voit bien comment un sujet pareil peut poser des problèmes de... Alors, je pense que vous avez de la bouteille dans votre collège aussi. Et que, d'une certaine manière, il y a aussi une manière de pouvoir gérer les choses à un moment donné. C'est intéressant d'entendre dire, ça je ne pouvais pas sur les guerres d'Algérie, et puis maintenant je peux. Qu'est-ce que c'est qui fait le passage d'une impossibilité émotionnelle. C'est la prise de confiance en soi, je pense aussi. Ouais, puis le fait de se sentir légitime face au sujet. Le fait de travailler à deux. Aussi. Ah oui. Ça, l'effet duo, il a été énorme, ça c'est sûr. Parce que je pense que ça, c'est un point absolument central, qui est que il y a des phénomènes de maturation aussi professionnelle, qui fait que certains sujets impossibles à une période ou dans une situation donnée, deviennent très faciles ou très possibles ailleurs, et le cas échéant, si on change d'établissement, redeviennent impossibles. Moi, c'est la question que je me pose maintenant, parce que... Ah, tout recommence ailleurs, ça fait compliqué. Ça fait combien de temps que tu es à faire 14 ans. Ouais, 14 ans, moi, ça fait 8 ans. Évidemment, il y en a une du deux qui va muter un jour, ça c'est sûr. Qui va changer d'établissement, qui va changer... Non, mais comment est-ce qu'on va gérer ça? C'est des trucs... On peut travailler à distance... Oui, mais tout en créant des relations avec d'autres collègues, et puis et tu retrouves, c'est un truc, moi je connais pas ça. T'as entendu? En fait, moi je viens de travailler pendant 2 ans dans un lycée expérimental ou à projet, enfin c'est à vous de voir, vous choisissez le mot que vous préférez. Et donc on était une équipe qui quand même a fait beaucoup de projets, ça m'a appris beaucoup de choses, surtout que moi j'ai que 4 ans de métier, donc ça m'a bien dégrossi comme on dit. Et là dans mon nouveau collège où je viens d'arriver, je suis la plus ancienne, puisqu'il n'y a que des néo-tites en Saint-Denis, plus. Oui. Ouais, voilà. En termes d'expérience, je suis aussi la plus ancienne, donc c'est des bons gros défis, mais en fait ça dépend vraiment de tellement de choses, de tellement de paramètres personnels comme professionnels, que moi c'est arrivé dans ce nouvel établissement, ça se passe très bien, et je prends ma place, et je fais les choses comme je les faisais avant, en fait. C'est-à-dire que ça change pas complètement, on remet pas tout en cause tout le temps, quoi. Mais on n'a pas travaillé ensemble du tout de suite, hein. Ouais. Pendant un an, elle m'a pas parlé, elle m'a pas regardé, rien. Normal. Bon. Je suis Lorraine, hein, ça prend du temps. Je me dis, ouais, la petite nouvelle, elle parle pas beaucoup, hein. Bon. Mais bon, en même temps, ça aide quand même. Hein. Enfin, vraiment, ouais, ça aide. Alors, je me suis laissé emporter par ces échanges passionnants, au point de m'en faire oublier l'heure. Donc, on a les autres ateliers qui arrivent, bien sûr. Mais j'aurais dû vous faire un petit avertissement. En tout cas, on aurait continué à écouter votre témoignage pendant longtemps. Merci à toutes les deux. Merci pour ce témoignage à la fois émouvant et, j'ai envie de dire, pédagogiquement très riche. Et vous êtes chez vous, aux aventuriers, vous le savez. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup.